Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser Senel Art. Donc ce sont des petits cercles faits avec la méthode One Stroke. Donc pour commencer, j'ai appliqué ma base All Agro, qui est un vernis duochrome de la collection Diamond Strange de Sally Hansen. Et ensuite, on va pouvoir commencer à faire nos petits cercles en one stroke. Donc pour cela, j'ai utilisé de la peinture acrylique. J'en ai utilisé deux de la marque Deco Art, le violet Afrique, qui est un violet foncé, et un violet lavande, qui est un mauve clair. Donc, on va mettre la peinture sur la palette. On utilise un pinceau biseauté. Moi, c'est un mosaïque, celui-ci. Donc, je le trempe un petit peu dans l'eau. J'y suis juste un côté. Je prends un peu de peinture violet foncé et du vert clair. Du mauve clair. Donc le mauve clair, je le mets à la pointe. Vous voyez, comme ceci. Et je dégrade sur ma palette. On va reprendre un peu de peinture. Et donc, on va pouvoir faire notre arc de cercle. Bon, encore une fois, j'ai pris le doigt qui va pas. C'est pas grave. Donc, le premier est fait. On va en faire un autre en haut. Voilà, les deux cercles sont faits. On va attendre un petit peu que ça sèche pour pouvoir faire notre deuxième couche pour que le one stroke soit un peu plus détaillé. Donc là, on va faire notre deuxième couche. Voilà. Ensuite, en attendant que ça sèche, on va pouvoir faire le contour de chaque cercle à la peinture acrylique blanche. Donc moi, je prends toujours la marque, encore une fois, DecoArt, le blanc comme ceci. On va diluer un petit peu la peinture. Et on va prendre un pinceau de détail, donc le Rubloff taille 1. Et on fait le contour du cercle.
donc en voilà un de fer, on va faire celui du bas. Voilà, et maintenant il reste à faire des petits points aux deux Tink Tools autour du cercle du haut de l'ongle, donc celui qui est ici. Donc on prend la peinture acrylique blanche, le plus petit dotting tool que vous avez, et vous faites le contour avec des petits points. Et voilà. Donc le nail art est terminé, j'espère qu'il vous plaira. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.